qu'est-ce qui se passe? Les dragées, il y a un sachet où il a mon cul. Oh non, c'est pas possible. Dans la vie, je ne suis pas marié. Avez-vous envie de vous marier? Je ne sais pas si j'ai envie de me marier dans ma vie. Je pense au mariage parce que ça fait toujours un peu rêver, mais voilà, je sais pas. Attends, tout ça. On se fout un peu trop la pression là, non? Dans le prime, là, c'est la première fois que je dis oui à quelqu'un. Ce qui était très rigolo dans cette scène avec Audrey Lamy, c'est que ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble et on a joué la scène du oui vraiment à fond, donc il y a eu beaucoup de réelles émotions entre nous et dans toute l'équipe, donc c'était extrêmement touchant parce que c'était la première fois qu'on disait oui à quelqu'un. Puis comme on s'adore, ça fait 8 ans qu'on se connaît, qu'on est amis, toute l'équipe était un petit peu troublée, donc j'espère que les gens le ressentiront. C'est pas parce qu'il manque une dragée dans un... Oh putain! Mais il est où? Je sais pas. Le mariage du prime ressemble pas au mariage de mes rêves dans le sens où il ne se passe pas toujours très très bien. Voilà, c'est-à-dire que je suis quand même avec Marion et forcément il va se passer quelques petites choses. Et puis même pour Cédric, voilà, on sent qu'ils sont un petit peu électriques sur cet événement qui les stresse un petit peu. Et puis par contre dans le côté tough, paillettes, invité, tout ça, oui, je le souhaite à tout le monde. Le meilleur souvenir de mariage, c'est le mariage d'amis à Toulon. C'était assez rigolo. J'ai fait un karaoké accordéon avec Patrice Lafont. Mon pire souvenir de mariage, c'était un mariage d'amis à Toulon et j'ai fait un karaoké accordéon avec Patrice Lafont.